Bishut Torah Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Quoi que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas quand vous allez voir ce petit, ces 5 minutes-là. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous avons enterré le grand tzaddik, Rav Haïm Kanievski, alav shalom, qui était l'un des plus grands tzaddikim de la génération. Et malheureusement, même qu'il était vieux, 94 ans, mais quand même, un tzaddik, c'est un tzaddik. Donc à Bouteille, nous allons consacrer toute cette semaine de parler des cours de Torah à sa mémoire, Zichrono Livracha. Il faut savoir que lui, une fois par an, il tabillissait toute la Torah. Toute la Torah, il va l'étudier. Toute la Torah, vous avez compris? Toute la Torah. Et chaque année, il va faire le sioum, il va faire une fête d'avoir terminé toute la Torah. C'est extraordinaire. Je voudrais simplement, mes amis, vous raconter une toute petite histoire que pour vous montrer, pour que vous sachiez la grandeur de cette tzaddik. Il y avait une fois, il était en train d'écrire une question-réponse sur les sauterelles. Vous savez que les sauterelles, il y a des sauterelles cachères, il y a des sauterelles qui ne sont pas cachères. Je me rappelle au Maroc, il y avait des époques où il y avait des vagues de sauterelles et qu'on les mangeait. Je me rappelle, moi-même, David Pinto, j'allais au cimetière, parce que c'était là-bas où il y avait... Là-bas, c'était presque le début du désert. Et je me rappelle, je les apportais à la maison. Et ma mère, Zichrono Livracha, elle faisait même des omelettes avec. Je sais que ça vous dégoûte, mais je dois vous dire que c'était comme ça. Et dans les sauterelles, il y a un cas. Lorsqu'il y a ce cas-là, ça veut dire qu'il est cachère. Le mot cachère. Il y avait des sauterelles où il y avait comme un tête. Et le tête qui veut dire tamé. Tamé, ça veut dire il n'est pas cachère. C'est de la folie. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui-même, dans les sauterelles, c'est les seuls insectes qu'on peut manger. Alors que si on mange d'autres insectes, on fait 5 fautes. Et là, c'est une chose qui est extraordinaire, c'est inimaginable, c'est bémette. Hein. C'est de quoi devenir fou, hein, de trouver. Je rappelle, moi, David Pinto, avant que on faisait bouillir les sauterelles, on voyait le dos de la sauterelle. Et c'est qu'il y avait un cas où jamais on a trouvé une sauterelle où il y avait un tête. Mais parfois, il y avait des vagues de sauterelles qui n'étaient pas cachères sur la personne à les manger. Alors une fois, Rav Haïm Kanievski, alav shalom, il écrit un livre uniquement sur les sauterelles pour savoir c'est quoi les raisons qui sont cachères, c'est quoi les raisons qui ne sont pas cachères. Mais malheureusement, jamais il a vu des sauterelles dans sa vie. Il avait de la peine. Il était en train d'étudier avec son copain et soudainement, il y a une sauterelle qui arrive à la fenêtre. Et son copain dit, Haïm, une sauterelle, voilà. Ils ont attrapé la sauterelle et ils l'ont bien regardée. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment le miracle d'Hachem. Retson Yereav Yahasé. Dans sa Kadosh Baruch Hu, il veut répondre au tzaddik, il lui répond. Voilà, il a répondu. Retson Yereav Yahasé. Et voilà, mes amis, une fois qu'ils ont bien examiné, vérifié les aides, etc., etc., ils l'ont lâché. Elle s'est envolée. Et à un moment donné, ils avaient une autre question. Et Rav Haïm Kanievski, alav shalom, il a dit dommage qu'on l'a renvoyé. Bon, on n'avait pas le droit de la garder parce que ça va aller haïm, puisqu'on ne veut pas la manger. On voulait que savoir les lois concernant la sauterelle.
et la cachérisation de la sauterelle, bah, maintenant, dommage qu'elle n'est plus là. Donc, on a une question et on ne sait pas comment on va la répondre. Et voilà, mes amis, après quelques minutes, la sauterelle, elle retourne et se pose sur la Gemara de Rav Haïm Kanievski. Comment vous expliquez ça? Alors, dites-moi comment vous expliquez ça. C'était vraiment, vraiment magique. Voir comment Kadosh Baruch Hu, il aime répondre aux tzadikim. Il voyait la sauterelle, il l'aurait examinée, une fois qu'il était sûr, il l'a posée sur la table, c'est veut rester qu'elle reste, c'est veut partir qu'elle part. Entre-temps, ils ont continué à étudier, ils ont terminé, plus de questions, et voilà la sauterelle, elle se lève et s'envole, elle s'en va. Ce matin, il y a son beau-fils, le grand rabbin Yitzhak Eisenstein, qui l'a donné un espède. Il a parlé sur son beau-père, il a raconté cette histoire, moi aussi je l'ai raconté hier, et regardez la bouteille, comment est-ce possible qu'il y ait des tzadikim à notre génération, que HaKadosh Baruch Hu, il répond de telle manière, la bouteille, c'est le tzadik qu'on a perdu aujourd'hui. Que son zikrout soit avec vous, vous avez tout le temps le temps, Be'ez Hashem, d'allumer sa veilleuse et toujours prier pour sa mémoire. Que son zikrout, il soit avec vous. Amen.